Hey yo tout le monde, c'est Zaire Renault. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty, mais cette fois-ci Advanced Warfare. Donc pourquoi je suis sur ce jeu? Parce que voilà, on retourne aux sources avec. Je vous en dirai un peu plus dans la vidéo, mais voilà, on retourne aux sources. Je vais pas arrêter au BO3, je vais toujours vous faire présentation d'armes sur BO3, mais vous verrez moins de BO3 sur ma chaîne. Pourquoi donc? Parce que je retourne avec des anciens mates à moi pour reformer la Authority eSport. Donc voilà, on reforme l'Authority Sport. Ce qui va nous permettre voilà, qu'on arrête BO3, qu'on arrête vraiment les tests sur Match à mort BO3. par équipe. Vous verrez moins de tests sur BO3 et vous verrez plus de tests sur AW. Parce qu'on préfère AW. Franchement, tous les moi, agents autres que ceux de Sentinelle sans vous sont mentir, considérés comme hostiles. Je préfère vraiment Éliminez-les. AW à BO3 pour plusieurs raisons. On a pris la tête. Sauf qu'AW est un jeu super rapide, c'est vraiment les jeux rapides que j'aime bien déjà deux, parce que BO3 je le trouve un peu lent par rapport à AW. Ensuite, sur AW, ce que j'aime beaucoup c'est les armes. Les armes elles sont vachement bien. La balle 27, la balle 27, la SM1, c'est vraiment des armes que j'apprécie par rapport à BO3. Sur BO3, ce qui est chiant un peu dans le jeu, c'est les spécialistes. Ça a vraiment tout changé. BO3, ça a vraiment. Moi tu fais Call of Duty avec ce spécialiste. Après il y en a, voilà, ils vont dire ouais, mais bon ça a été un peu bien fait. Oui certes, mais bon, personnellement moi je trouve que ça a tué code. Et voilà, un bon AW, ça fait toujours pas de mal. C'est franchement un Call of que j'aime bien avec ses double jump, sa rapidité dans le jeu, ses armes très 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 puissantes. Franchement un jeu que j'aime. Et voilà, du coup on retourne sur voilà, on retourne sur du AW pour CS. On arrête BO3, on prendra vraiment la grande compétition sur le prochain code, donc Infinity Warfare. Même s'il y a beaucoup de. Sur le trailer, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dislikes. Je crois qu'il y a 23 000 gens pour 1 million de dislikes. C'est vraiment énorme, mais s'il est bien, s'il ressemble à un W, franchement, ce sera un bon code après. Notre drone est activé. Pour d'avoir au terme. C'est un peu comme un BO3, ça va un peu tuer les codes, on verra bien. Donc voilà, on reprend avec l'Authority et tout. Vous verrez un peu de test sur AW quand on en fera et tout. Du coup, dans la description, vous irez voir pour savoir quand est-ce qu'on joue nos fils d'actualité et tout. Dans la description, il y aura la page Facebook de l'équipe que je la mettrai dans la description. Il y aura aussi le Twitter de l'équipe. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste un simple clic quoi. Vous avez juste à cliquer sur le truc que je vais vous mettre et à vous dire de vous abonner à la chaîne. Et voilà, c'est tout. Vous avez juste ça à faire et ça prend à peine 2 secondes. Et j'espère que vous ferez comme ça. Quand on sera beaucoup, on essaiera voilà, de. Plus jouer maintenant sur la nouveau code quand il y aura Infinity Warfare. C'est surtout pour nous montrer notre progression au niveau des jeux. Déjà c'est revenir très très fort sur AW. On va encore faire TS parce que voilà, il y a beaucoup de sur AW, mais on va en trouver je pense. Il doit y en avoir toujours une petite vingtaine, je dirais, une petite trentaine, je dirais, de teams. Au niveau EU, je pars, hein, pas au niveau français, je pense une trentaine de teams EU. Et voilà, je pense qu'on pourrait faire un bon petit truc. Il reste un peu de roster sur AW, pourquoi pas, après faut voir. Mais voilà, on revient aux sources sur un bon petit jeu que moi franchement j'apprécie. Les gars, voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook et le Twitter de l'équipe que je vous mettrai dans la description. Franchement ça serait super plaisir. Et voilà, Twitter de plus. Voilà, je pense qu'il y aura quand même des gens qui vont faire réfléchir au niveau des commentaires. Ouais, franchement, BO3 est beaucoup mieux que la W. Peut-être pour vous, mais franchement, il y a beaucoup de balles. Nous, on préfère un W qui est un jeu beaucoup plus rapide. Notre drone est activé. Et que je trouve. C'est un jeu vraiment que j'apprécie, voilà, comme je vous ai dit. Pour ses armes, pour ses doubles sauts, pour sa rapidité, c'est franchement mon coup de cœur ce jeu. C'est pour moi l'un des meilleurs codes au niveau voilà, de tous les Call of Duty après voilà. Donc ça c'est dit, donc comme je vous ai dit, je n'ai pas dit que je terminais sur BO3, mais c'est BO3.
je vais les continuer au contraire. Il y aura toujours du présentation d'armes, des petits gameplays sur BO3, peut-être des gameplays sur AdBlaze. Comme il n'y a pas de matériel, il faut que je les scream avant la game quoi. Ça c'est un truc qui est mal. Mais voilà, sinon voilà, il y aura un peu de tout. Il y aura aussi peut-être du Call of Duty Ghost, j'hésite à me l'acheter franchement, je ne sais pas. Que 5€, du coup j'hésite à me l'acheter, on verra bien, j'irai voir en magasin un peu. Et je l'achèterai, voilà. Et je ferai des petits gameplays maintenant sur les anciens codes, tout ça. J'essaye de revenir un peu sur les anciens codes. Essayez de vous faire aussi d'autres jeux que code aussi, du FIFA. Il y a plein de jeux franchement que j'aime aussi. Et voilà, je peux vous faire. Mais voilà, comme je vous dis, cette vidéo elle est plus consacrée à vous dire que je retourne chez Authority avec mes anciens mails. Et qu'il faut aller liker la page. Facebook et la page Twitter de l'équipe que je vous mettrai dans la description. Donc n'hésitez pas à regarder la description surtout. Et s'il y a de plus important, je trouve. Voilà, que dur de ça. C'est franchement un bon plaisir de retourner avec des mails. Surtout retourner sur un jeu qu'on connaît beaucoup. On l'a beaucoup séché sur Xbox 360 maintenant, enfin, sur Xbox. J'ai beaucoup séché ce jeu. Et là, l'avoir sur PS4, essayer de le resécher, retrouver mon niveau sur ce jeu. Voilà. On verra bien si tout se passe bien sur AW. Franchement c'est très mal passé, enfin, pas dire que ça s'est très mal passé, mais je veux dire que voilà, les équipes où j'étais, voilà, ça se terminait souvent mal. Donc voilà, on retourne sur du ancien code sur AW. Donc ça sera peut-être la troisième ou quatrième fois que je vais le dire de la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à liker la page Facebook de l'Authority, n'hésitez pas à liker la page Twitter aussi de l'Authority. Et n'hésitez pas à liker ma vidéo, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne pour savoir quand est-ce que je vais sortir maintenant des nouvelles vidéos. Allez, c'était Zyron. Tchuss les gens.